Bonjour mes gourmands et bienvenue à tous sur la chaîne 100% bio du potager à l'assiette. Je vous propose aujourd'hui ma version du cassoulet maison. Place à la recette. Mettez vos pièces de viande, échines et poitrine à dessaler dans de l'eau froide pendant une heure. Égouttez votre viande et épongez-la avec du papier absorbant. Mettez de côté le temps de préparer la garniture. Mettez vos haricots blancs à tremper pendant 5 heures avec 2 litres d'eau. Coupez vos tomates en dés grossiers, la taille n'a vraiment pas d'importance. Taillez également vos carottes en biseau. N'oubliez pas d'adapter votre outil de cuisson sur la quantité préparée. Alors moi, je prépare toujours une grosse quantité. Alors donc, dans une grosse marmite, vous allez faire chauffer l'huile d'olive et faire revenir la moitié de vos oignons hachés ainsi que les carottes. Mélangez bien l'ensemble. Versez vos haricots dans la marmite, les morceaux de viande ainsi que les 2 litres de bouillon de légumes, les herbes aromatiques, les épices de votre choix. On ne sale surtout pas car vos haricots auraient du mal à cuire. Laissez mijoter l'ensemble à découvert pendant 2 heures tout en remuant de temps en temps. Faites chauffer l'huile d'olive dans une sauteuse, y faire revenir le restant de vos oignons, vos tomates sans le jus parce que ça va rendre énormément, le bouquet garni et on va laisser mijoter le tout pendant une heure.
Au bout d'une heure de cuisson, nous allons sortir et égoutter notre viande, poitrine ainsi que l'échine. Dans cette version du cassoulet, donc, je vais remplacer le canard par des manchons de poulet, les saucisses par des mini saucisses cocktails, donc celles-ci sont aromatisées, et on va faire également revenir le tout séparément. Alors on va mettre les pilons une fois revenus dans notre sauce tomate et on va laisser mijoter le tout. Préparez vos morceaux de viande, c'est-à-dire qu'on va retirer les os, les couper de façon donc à ce que tous les morceaux de viande fassent à peu près à la taille des bocaux. Vérifiez la cuisson de vos pilons de poulet. Si effectivement le temps de cuisson est encore un peu juste, vous pouvez également les laisser et on va les sortir délicatement en les égouttant. On va faire également revenir donc notre poitrine de porc. Versez vos tomates ainsi que le concentré dans vos haricots et on va laisser l'ensemble mijoter encore pendant une demi-heure.
Bon, bah, j'ai égaré donc les séquences donc, de cette vidéo où donc, je remplissais donc, mes pots différemment. Donc là, on va les tous garnir les pots. On va répartir la viande ainsi que les haricots. Et on va procéder immédiatement donc, au choc thermique, c'est-à-dire 2 heures à 100 degrés. Au bout de 2 heures donc, de stérilisation, donc, nous allons sortir les bocaux immédiatement. Et voilà mes gourmands, vous avez notre version de cassoulet maison. En attendant la semaine prochaine, moi je vous dis portez-vous bien et à très vite.